François Claus, Mathieu Charrier en direct du Salon de l'Agriculture. Et tous les jours, François, vous discutez avec nos auditeurs. Premier sujet aujourd'hui, les 25 ans de la mort de Serge Gainsbourg. Et oui, on avait envie d'échanger avec vous, chers auditeurs. Et d'ailleurs, ici dans la salle au Salon de l'Agriculture, vous pouvez lever la main. Nous avons un micro. Évoquer d'abord Serge Gainsbourg, effectivement, parce qu'il fait partie de ces artistes qui nous accompagnent toute une vie, et c'était ce funeste 2 mars 91 qu'on apprenait donc que Serge Gainsbourg était mort à l'âge de 62 ans, si je me trompe pas. Il faudra vérifier, je le cite de mémoire. Et nous avons Paul notamment qui nous appelle au téléphone. Bonjour Paul. Bonjour. Alors Gainsbourg pour vous, c'était quoi? Ben, Gainsbourg pour moi c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Il a été acteur, réalisateur, grand provocateur, aussi auteur, compositeur, interprète. Il a écrit pour d'autres personnes aussi, Bardot, Derrico, Alain Chamfort aussi, et puis plein d'autres. Et c'est un artiste qui a su évoluer, il a su changer de style et être toujours présent, toujours dans le cours. Paul, il y avait un peu deux clans à l'époque. Ceux qui détestaient le Gainsbourg provocateur, l'homme qui brûle un billet de 500 francs sur un plateau, qui injurie Whitney Houston devant Michel Drucker, et puis l'artiste avec ses chansons qui restaient et ses fans qui le trouvaient toujours que ses provocations avaient du sens et que finalement il était dans le sens de l'histoire et du temps. Vous situiez dans quel clan, Paul? Ah, moi, je me situe dans le clan du 100%, 100% Gainsbourg et 100% Gainsbar. Voilà, bon, après, c'était un personnage, oui, il était très provocateur, mais même dans sa provocation, je sais pas, il faisait tout bien, tout ce qui touchait, c'était toujours très, très bien. Et vos albums préférés, Paul, si vous deviez en citer deux? Alors, si je devais en citer deux, c'est l'histoire de Melody Nelson et ouais, l'homme à la formidable tête. Formidable, Melody Nelson. Ces deux albums qui n'ont pas très très bien marché à l'époque, à leur sortie commercialement, mais c'est des albums qui sont exceptionnels. Et après, qu'on réécoute, si on les réécoute aujourd'hui, qui étaient incroyablement novateurs. Mathieu Charrier, des réactions sur le hashtag E1 Midi, effectivement, beaucoup de réactions. Myriam, par exemple, qui nous dit « Gainsbourg n'est pas un souvenir pour moi ». C'est mon quotidien, une âme-cœur, une absolue nécessité. Et puis Jean-Claude, j'en garde une variété exigeante de qualité et surtout des textes et des musiques impeccables. Alors Paul, si je vous demande, quelle est votre chanson préférée? Réponse. La javanaise, entre autres, mais la javanaise. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. On n'a pas envie de la couper, cette javanaise. On est obligé, sinon on n'aurait plus d'auditeurs. Merci Paul pour votre appel. Nous avons Marie-Jo maintenant qui nous appelle de Charente. Bonjour Marie-Jo. Bonjour François, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, Gainsbourg, pour vous, en quelques mots, vous diriez quoi? En quelques mots, novateur, il a accompagné votre vie, provocateur. Non, plutôt classique en fait, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Europe 1, une émission 5-7, il y a très longtemps, en 1975. Et il avait interprété « L'eau à la bouche », une chanson que dans ce spécial auditeur où je participais, nous avions choisi, parce qu'elle était vraiment, je veux dire, presque... Écoutez Marie-Jo, écoutez, on va vous faire plaisir. Écoutez avec moi. Ah oui, ne sois pas farouche. Oh, parfait. On me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive. Je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche. Alors, c'était en mai 75, hein, disiez-vous, là, sur Europe 1. J'imagine que c'est un délicieux flashback pour vous. Absolument, c'est dans ma mémoire, c'est dans la mémoire d'Europe 1, peut-être de certains de vos auditeurs encore, et je trouve que cette chanson a gardé toute sa fraîcheur. Merci Marie-Jo pour ce témoignage. Quelques réactions sur le hashtag 1 midi. Ah oui, beaucoup d'auditeurs effectivement qui nous envoient leur chansons préférées. Alors évidemment, Requiem pour un con, la javanaise, variation sur Marie, Lou, valse de mélodie.
Toutes sont mes préférées, nous dit un autre. Ma chanson préférée, c'est Lady Héroïne pour David. Il y a des listes comme ça de chansons qui s'égrènent sur Twitter. Et on voit avec toutes ces réactions comment Gainsbourg est encore populaire. Très rapidement, j'appelle Michel dans le département de la Haute-Marne. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, votre chanson préférée de Gainsbourg. Oui. Voilà, Gainsbourg, ben, j'ai été élevé un peu là-dedans, on n'avait pas beaucoup de disques, je me rappelle du Poinçonneur des Lilas, je me rappelle notamment aussi le Claqueur de Doigts, et puis après, petit à petit, ce que j'ai aimé, c'est que Gainsbourg a réussi, par ses mélodies autant que par les paroles, hein, c'est plus varié que Brassens par exemple, à rester dans la course, et même si à un moment il n'aimait pas les yéyés, et les couleurs café, tout ça, Bonnie and Clyde, c'était... merveilleux, et moi j'étais prof et j'avais des élèves qui l'aimaient beaucoup, quoi. C'était pas du tout un gars. Michel, on va vous faire plaisir. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Voilà Michel, cette bouffée de nostalgie. Alors il y a beaucoup de réactions dans la salle et nous avons notamment Francis qui connaît et suit le chanteur depuis qu'il est tout petit. Nous avons simplement le préfet Lambert qui nous attend, donc on prendra vos témoignages peut-être un petit peu plus tard. Nous avons les contingences là des coupures publicitaires évidemment et de l'antenne. Mathieu. Juste un mot pour finir, un petit trait d'humour de Jean-Marc sur Twitter. Gainsbourg avait un temps d'avance, il serait toujours à la mode même de nos jours, mais sûrement ruiné par le prix du paquet de cigarettes. Peut-être. Merci pour ce beau témoignage. Courte pause et puis deuxième thème de l'actualité, l'Euro 2016, journée spéciale sur Europe 1. Et le préfet Lambert est avec nous en ligne dans quelques instants. Europe 1. En direct du Salon de l'Agriculture. Mathieu Charrier, François Claus. Et deuxième sujet dont vous parlez, François, avec nos auditeurs. Nous sommes à 100 jours du début de l'Euro 2016. L'engouement monte. Bonjour Jacques Lambert. Bonjour Monsieur Claus. Alors, préfet Lambert, monsieur Lambert, vous travaillez depuis combien de temps sur cet euro maintenant, dites-nous? Ah, si on compte... En nombre d'années, vous pouvez y aller. Oui, si on compte la période de candidature, depuis 7 ans, puisque nous avons commencé à préparer la candidature en 2009, au printemps 2009, donc déjà 7 ans. Alors, dans sur l'organisation proprement dite... Dans quel état d'esprit est-on donc depuis 4 ans sur l'organisation, 7 ans donc de votre vie, j'allais dire quasiment nuit et jour, car de mener ce bateau, ce n'est pas facile. On est à 100 jours. Est-ce que le bateau voit vraiment le port et dans des bonnes conditions? On approche du port et pour l'instant, on ne peut pas dire que la mer soit complètement calme, mais ça n'est pas non plus la tempête. Alors... C'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. On sait qu'on a un défi majeur qui est celui de la sécurité. Le reste de l'organisation est totalement sur les rails. Les stades sont prêts. Toutes les fondations importantes de l'organisation sont en place. Nous avons vendu avec succès 2 millions de billets puisque nous avons reçu pour ces 2 millions de billets 16 millions de demandes. Etc, etc. Donc oui, nous sommes dans les temps, oui ça se passe bien, oui on peut raisonnablement être serein. Maintenant il reste 100 jours, il y a encore du travail et puis il y a beaucoup de vigilance à avoir sur tout ce qui va se passer. Alors le défi sécuritaire, vous l'évoquiez à l'instant, on savait qu'il serait lourd, on pensait... aussi à l'époque, il y a 7 ans, on n'imaginait pas qu'on serait dans cette situation à Paris, au hooliganisme, une compétition à 24 équipes. Là, évidemment, les attentats du 13 novembre ont mis cette question à la une. Vous avez dû vous adapter, même si vous saviez que ce dossier serait à géométrie variable, mais dans des proportions que vous n'imaginiez certainement pas, de combien ça a grevé le budget et qu'est-ce que là, on vous a demandé en plus sur la sécurité? Alors, ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que la sécurité de l'Euro, c'est une coproduction entre l'État et l'organisateur sportif. En tant qu'organisateur, nous avons la responsabilité de la sécurité à l'intérieur des sites, l'intérieur des stades, des camps de base des équipes, des hôtels officiels, des centres d'entraînement, du centre international de diffusion, etc. Et l'État a la responsabilité générale sur le territoire, sur le domaine public, sur le territoire des villes, dans les transports, aux frontières, etc. Nous travaillons de façon effective depuis 3 ans à l'élaboration de ce dispositif de sécurité et
Le risque terroriste est au centre du dispositif depuis l'origine. Bien sûr, nous n'avons pas négligé les autres risques, notamment le risque de hooliganisme, mais je le dis comme je le pense, celui-ci est aujourd'hui très secondaire par rapport à la problématique terroriste. C'est vrai que ce qui s'est passé en 2015, en janvier d'abord, en novembre ensuite, a été un sérieux coup de semonce qui nous a conduit tous à revisiter de fond en comble notre dispositif. Mais je le dis aussi, ceci ne nous a pas conduit à modifier les fondements de ce dispositif dans la mesure où nous avions anticipé depuis longtemps l'importance de ce risque terroriste. Oui, nous avons dû renforcer un certain nombre de points. Nous avons décidé de façon volontariste de durcir notre dispositif sur bien des sujets que je n'évoquerai pas parce que je ne veux pas révéler de dispositions opérationnelles. Ce que je peux dire, c'est que s'agissant des agents de sécurité privée que nous maîtrisons, nous, organisateurs, ils sont à peu près 30% plus nombreux que pour un match normal organisé en France, et que le surcoût de sécurité provoqué par ce qui s'est passé en 2015 et notamment en novembre, je l'évalue aujourd'hui à environ 15%. Alors, Jacques Lambert, le souci pour vous, j'imagine, ça doit être une grande fête, l'Euro. Comment est-ce que vous arrivez à concilier, évidemment, cette contrainte lourde et l'esprit festif indispensable à un grand événement de sport? Il y aura des fan zones où on attend le ministre parler de 7 millions de personnes. C'est un défi absolument énorme, mais il faut absolument, j'imagine, dans votre philosophie de l'Euro, maintenir cet esprit de fête. Oui, c'est absolument capital parce que n'oublions pas que nous sommes les organisateurs d'un événement sportif, que nous sommes là pour accueillir de façon pacifique et festive, mais sur également des millions de personnes et notamment 2/3 de visiteurs étrangers. Et nous avons absolument besoin, c'est capital pour la réussite de l'événement, mais c'est aussi capital pour l'image donnée de notre pays, de trouver le juste équilibre entre le côté sécuritaire ou sécurisé et puis le côté festif. Ça, je dirais, c'est toujours un peu la difficulté pour tous les organisateurs. Ce que je note, c'est deux choses. Un, nous n'avons pas eu, après les attentats de novembre, de panique, si je puis dire, ou de tendance de la part de personnes ayant déjà acheté des billets à vouloir s'en séparer, à vouloir les revendre, à dire « ben non, finalement, on a peur, on ne veut pas venir ». Non, pas du tout. Deuxièmement, l'attractivité de l'événement à l'étranger est très forte. Nous ne constatons pas de baisse, en quelque sorte, de l'attractivité de l'Euro 2016 depuis l'étranger. Bien au contraire, le nombre de spectateurs étrangers sera bien supérieur à celui que nous avions anticipé. Ouais, ça, c'est un signe très encourageant. Aussi... Ouais. Oui, pour nous, c'est très encourageant. Est-ce que... j'ai un auditeur qui essaye de nous joindre, justement, et qui veut vous poser une question. C'est Christian qui nous appelle du département du Cher. Bonjour, Christian. Oui, bonjour. Le préfet Lambert vous écoute. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Oui, parce qu'on parle de la sécurité dans les stades et autour du stade, mais bien souvent, la sécurité va beaucoup plus loin. Oui, ce que le préfet vous a répondu en parlant des responsabilités de l'État d'un côté et de l'euro, de la SAS euro de l'autre côté. Mais vous, par exemple, Christian, c'est une dimension qui vous fait peur ou au contraire, vous dites tout ça sera bien contrôlé, bien géré et allez, faisons la fête. C'est très difficile parce que vous savez là, comment les spectateurs ont un caractère en fonction des déroulements des matchs, ça peut tourner au drame comme ça peut rester serein. Vous savez comment il y a beaucoup d'enjeux hein, dans ce genre de compétition. Merci pour votre témoignage, Christian. Une question également qui nous préoccupe, c'est celle des pelouses. Alors, vous savez que quand on voit tous les week-ends la Première Ligue en Angleterre et qu'on voit le championnat de France, on se dit, mais alors, il y a deux mondes et on ne peut pas avoir de beaux spectacles sans une belle pelouse au foot. Quelles sont les contraintes que vous avez imposées en termes de stats sur la qualité des pelouses, Jacques Lambert ? Vous avez raison, Monsieur Claus, de dire que c'est un vrai sujet, et sujet dont on n'arrive pas à s'extirper d'une certaine façon. Ou plus exactement, dont un certain nombre de stades n'arrivent pas à s'extraire. Depuis l'origine, depuis le dossier de candidature, il est prévu que, dans la dernière année, et spécialement dans les 6 derniers mois de la préparation,
l'UEFA, avec ses experts, apporte son concours aux propriétaires et aux exploitants de stades pour, d'une part, expertiser l'état de leur pelouse, notamment à la sortie de l'hiver, et pour les conseiller et les aider à la mettre dans le meilleur état possible. C'est vrai qu'on a pu faire ces dernières semaines un certain nombre de constats un peu inquiétants, mais le suivi qui est opéré depuis plusieurs mois maintenant de façon régulière et les contacts qui ont lieu entre les experts de l'UEFA et les stades où vont se jouer l'Euro montrent que la situation est en train de s'améliorer progressivement. Il nous reste, je dirais, deux points noirs, mais je ne veux pas les citer parce que je ne veux pas décerner de bonnet d'âne de façon publique sur lesquels nous sommes plus attentifs. Mais de façon générale, et c'est bien que vous abordiez cette question, je pense que pour l'avenir, comme le Parc des Princes et le PSG ont su le faire depuis un certain nombre d'années, il me paraît indispensable que les clubs pro se saisissent à bras-le-corps de cette question de la qualité des pelouses. Jacques Lambert, une question sur le hashtag E1 à midi, oui, posée sur Twitter, par Mathieu Charlier. Question de Julien sur Twitter. Que pensez-vous, monsieur le préfet, de l'accueil de plusieurs millions de supporters quand aujourd'hui les préfets interdisent des simples déplacements en Ligue 1 et en Ligue 2 ? Ah ben, c'est une contrainte, si je puis dire, qui est celle de la France en tant que pays d'accueil. La France est engagée auprès de l'UEFA en 2009-2010 à accueillir l'Euro. Personne, évidemment, à cette époque-là n'envisageait la situation dans laquelle nous allions nous trouver. Aujourd'hui, il n'est pas question d'interdire quoi que ce soit et il faudra faire face. C'est notre responsabilité d'organisateur à tous et puis c'est la responsabilité et l'honneur de la France. À question simple, réponse très simple et très directe. Merci à vous, Jacques Lambert. Question également d'un auditeur. Alors, c'est pour parler d'un autre risque. On emploie souvent et à tort le mot explosion lié à cet autre risque. C'est Christian qui est en ligne pour nous. Nous vous écoutons, Christian, et le préfet Lambert est là pour vous répondre. Clément, pardon. Bonjour, Clément. Bonjour. Je souhaiterais en fait demander au préfet s'il a vu avec les organisations syndicales de la SNCF, de la RATP, etc., justement, d'éviter tout mouvement de grève à ces moments souvent propices pour faire valoir ces revendications. Également, je mets dans la course, bien sûr, nos amis les taxis. Et puis, actuellement, pour détendre l'atmosphère, je voulais savoir si le préfet avait prévu de former les taxis à l'amabilité vis-à-vis des touristes qu'on va recevoir. Alors là, vous demandez énormément de choses au préfet Lambert, donc d'être un médiateur social et d'être quasiment un psychologue national sur l'État français. Mais j'imagine que vous avez quand même quelques réponses, parce qu'on se souvient, Jacques Lambert, d'une grève d'Air France en pleine Coupe du Monde 98, notamment. Oui, mais quand j'évoquais tout à l'heure, il y a un instant, la responsabilité de la France en tant que pays organisateur, je pense que nous sommes exactement au cœur du sujet. Si on pense que c'est l'organisateur de la compétition qui peut régler ce genre de problème, évidemment, on se trompe. Même si j'ai eu des responsabilités dans l'administration, même si je sais ce qu'est un conflit social, comment ça peut se régler, il est clair qu'avec ma responsabilité d'organisateur de matchs de foot, je n'ai pas les moyens et je n'ai pas les clés pour régler des problèmes qui sont des problèmes de société. Mais nous l'avons indiqué depuis bien longtemps, la préparation de cet Euro 2016, c'est une préparation qui se fait en commun avec l'État, le gouvernement. Nous avons préparé la candidature avec une majorité de droite, nous préparons l'organisation avec une majorité de gauche, donc nous savons travailler avec les uns avec les autres. Nous sommes l'organisateur d'un événement sportif, nous souhaitons que toutes les catégories sociales et socio-professionnels profitent à plein de cet événement et nous souhaitons bien évidemment que ce soit une sorte de période de trêve sociale. Maintenant, je ne suis ni devin ni magicien, nous prendrons les événements comme ils viennent, mais c'est vrai que si nous devions faire face à des mouvements qui mettent en péril ou en danger le bon déroulement de l'Euro 2016, ce serait fort dommage pour nous d'une part, mais pour la France encore plus
Et c'est ça qui serait regrettable. Alors, d'autant plus que votre véritable défi, et c'est l'une des nouveautés de ce premier Euro, rappelons-le, Jacques Lambert a 24 équipes, avant c'était une compétition beaucoup plus resserrée, c'est que vous avez joué la carte de la mobilité extrême, qu'il n'y a pas une équipe attachée à une ville, mais qu'au contraire, vous voulez faire bouger tout le monde, ce qui est un projet extrêmement noble et intéressant, mais évidemment plus compliqué à mettre en œuvre. Oui, mais c'est pas une innovation pour nous, Monsieur Klaus. C'est ce que nous avions déjà pratiqué en 98 pour la Coupe du Monde, avec Michel Platini et Fernand Sastre, où toutes les équipes tournaient pendant le premier tour de telle façon que les spectateurs des différentes villes hôtes voient des équipes différentes et donc un spectacle différent. Donc ça, nous avons déjà eu l'expérience. C'est vrai que c'est un peu plus lourd, mais c'est aussi porteur de plus de retombées économiques parce que, indépendamment de l'aspect sportif, ça veut dire que les supporters des équipes se déplacent, qu'ils vont d'une ville à l'autre et donc qu'ils font fonctionner les moyens de transport, le commerce, la restauration et qu'ils irriguent en se déplaçant du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, les autres régions qui n'ont pas la chance d'accueillir l'euro. Donc je pense que c'est effectivement tout bénéfice pour tout le monde, même si d'un point de vue organisationnel, c'est un tout petit peu plus complexe, mais pas tant que ça. Une question qui nous vient d'Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Monsieur Breslet. J'aurais souhaité savoir par quel vecteur sont recrutés les bénévoles qui vont participer à l'organisation de cette Euro. Le préfet vous répond. Alors, le recrutement des bénévoles était un projet mis à la charge de la Fédération française de football. Donc la Fédération française a lancé il y a plus d'un an maintenant une sorte d'appel au volontariat. Elle a recueilli 23 000 candidatures. Sur ces 23 000 candidatures, un premier tri a été fait en fonction de la disponibilité des uns des autres, en fonction du savoir-faire, en fonction de la maîtrise de telle ou telle langue. 13 000 personnes ont été reçues, auditionnées pour vérifier ce qu'on voulait vérifier. Et finalement, 6 500 volontaires ont été choisis. Donc ça a été un long programme de sélection qui a été mené, et y compris au niveau de chacune des villes hôtes. Et justement, vous disiez, ce qu'on leur a demandé, c'est qu'est-ce que vous cherchiez ? Une pratique des langues, une manière de sourire, d'accueillir ? On cherchait, je dirais, le cumul d'une certaine façon de trois qualités, ou de trois critères. La disponibilité pendant la période, c'est important. La capacité à accueillir de façon sympathique, ouverte, chaleureuse, les personnes que nous allons accueillir, et puis un certain nombre de compétences dans des domaines particuliers. J'irai avoir un permis de conduire si on est chauffeur bénévole. Ça, c'est pas bien compliqué. En plus, on a sur la question des transports la nécessité de respecter aussi la profession des transports. Je dirais, s'agissant des fonctions d'interprétariat ou de traduction, évidemment, la très bonne et parfaite maîtrise de langues étrangères, etc., etc. Merci beaucoup à vous, Jacques Lambert, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et de nous avoir apporté ces réponses très précises sur l'euro qui débute donc dans 100 jours, pile, et qui sera évidemment un grand événement sur Europe 1, journée spéciale aujourd'hui, Europe 1, ce qui sera la radio qui retransmettra les 51 matchs en intégralité, puis il y aura beaucoup de surprises avec Raymond Domenech, avec Estelle Denis, vous les avez peut-être entendu ce matin sur notre antenne, mais ce sera une période où on va participer à Europe 1 et on va être acteur de cette grande fête nationale et on s'en réjouit. Grand merci à vous encore, Jacques Lambert.